Vendredi 26 février 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine-là. Mais quelques principales informations qui prennent le fait essentiel, journal. Chef gang village dédié à Anel Joseph mouri vendredi 26 février 2021 dans la commune Lester, département La Tibonite. Selon porte-parole police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers, chef gang là mouri dans échange coup d'armes avec la police. Comité consultatif indépendant pour élaboration nouvelle constitution organisé journée vendredi 26 février 2021, un forum pour consulter diverses femmes concernant avant projet nouvelle constitution. Dans occasion membre comité consultatif indépendant pour élaboration nouvelle constitution, Jean-Emmanuel Eloi ak Mona Jean plaide en faveur droit femmes yo dans nouvelle constitution. Alliance pour gestion risque ak continuité activité yo AGACA clôturé journée vendredi 26 février 2021 série activité dans cadre lutte contre COVID 19 là dans pays d'Haïti depuis environ une année. Dans occasion président AGACA Gérard Laborde exprimé satisfaction pour travail AGACA dans lutte contre COVID 19 là à travers tout département pays. De 2004 à date, environ 700 cas de cancer infantile ont été diagnostiqués en Haïti. Il y a donc beaucoup de cas non diagnostiqués. C'est pourquoi la sensibilisation à la problématique est importante pour inciter les parents à amener les enfants malades au plus tôt. Avec un diagnostic précoce de la maladie, l'enfant a beaucoup plus de chances d'être sauvé. FHACI fait de son mieux pour mener le combat avec ses membres et des supporters comme la Fondation Unibank qui vient de la rejoindre en faveur de la cause. Toute aide est bienvenue, ponctuelle, mensuelle, semestrielle, annuelle. Nous avons un membership annuel. Nous aimerons avoir des engagements réguliers d'entreprises et de compagnies. Pour les moyens de paiement disponibles à date, montez sur le site web www.fhaci.org. Si ce qu'on achète, fait acheter au tout boxeur. Jeune motoboxeur, tout partout, dans tout pays. Moins passé 24 heures de temps après l'été fin sauvé dans la prison civile Croix des Boukeya, chef gang village dédié Anel Joseph, mouri en babal à Jean-PNH journée vendredi 26 février 2021 dans la commune Lester qui trouvait dans le département La Tibonite. Yon information porte-parole police nationale d'Haïti à Gary Desrosiers, confirmé dans mi-temps journée, selon inspecteur divisionnaire Anel Joseph mouri dans échange coup d'âme avec agent PNH. Comité consultatif indépendant pour élaboration nouvelle constitution organisé journée vendredi 26 février 2021 dans Pétionville, un forum pour consulter diverses femmes concernant avant projet nouvelle constitution dans discours circonstancio professeur Jean-Emmanuel Eloi ak Maître Mona Jean qui c'est membre comité consultatif indépendant pour élaboration nouvelle constitution fait qu'on est moment arrivé pour société à défendre droit femme yo selon Jean-Emmanuel Eloi ak Mona Jean. Constitution, c'est plus bon moyen pour les femmes de faire droit de respecter pendant qu'elles dénoncent les difficultés femmes de faire face puis arriver à occuper poste décisionnel. Jean-Emmanuel Eloi et Mona Jean, t'es dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort et Mackenson Registre. Si je veux dire là, c'est une question de quoi les femmes défendent. Mais vous montez loin pour montrer nos côtés en bonne aberration. Ensuite, il y a trois expressions. C'est eux-mêmes là, vous voulez défendre les femmes. En Haïti, d'après la mentalité et les traditions,
femme souffre. Et bien, moi-même, je tiens là, je dis, après ministre, il faut nous opter pour logique femme vaillant, femme potomitant, et puis femme l'autre moitié développement pays. Alors, nous prenons ça, parce que j'ai professeur dans l'université d'Haïti. Les m'a fait sociologie de la famille. Ah, c'est l'exemple obligé de prendre parce que femme vraiment victime dans le pays. Mais ils ont femme qui demande maman tout là. Alors, lui est arrivé pour nous défendre vraiment ça, on les doit femme. Et c'est rôle nous, tout ce qui est là. Si mal est dans le comité, bon, mettre mon agent pour mettre en face ou technique un peu. Nous connaissons les femmes qui ont un pile dans le nouveau projet. Ça. Si les Nations Unies parlent de quotas, ben, dans la proposition nous en tout, nous parlons de quotas. On dit que désormais, s'il n'y a pas les droits femmes en général, mes femmes haïtiennes nous dégagent, nous, parce qu'une défaite, quand c'est joué en Afrique, c'est le même problème causé. Alors ça m'a dit, nous, mesdames, parlons en pied, nous, chercher défendre les droits, nous, et la constitution, ça, c'est une dans le canal qui manifestait volonté ça pour défendre douane. En mars 2019, il y a un rapport des États généraux sectoriels de la nation. 12 et 13 août 2020, il y a un forum multisectoriel que l'OPC a réalisé. Et puis 28 août 2020, le comité ça a mis en place. Mes amis, côté comité ça a sorti pour le fond de la nouvelle constitution. Nous avons un mandat donc et ma petite temps pour moi dire ça nous donner un mandat ça. Moi je remets nous qui prend ça à tout qui dit que dans l'article 1er, il a créé un comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution. Le comité a pour mandat de faire quoi? D'élaborer un projet de constitution permettant de premièrement préserver les acquis démocratiques et les aspirations de développement durable du peuple haïtien. Deuxièmement, garantir solennellement les droits fondamentaux de la personne humaine et exprimer clairement les droits et devoirs du citoyen. Troisièmement, renforcer les mécanismes de l'état de droit. Quatrièmement, rationaliser et préciser la nature du régime politique. Cinquièmement, clarifier et rééquilibrer les pouvoirs de l'État dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Sixièmement, réaffirmer et consolider le caractère démocratique et républicain de l'État. Harmoniser les compétences des collectivités territoriales et renforcer l'édifice institutionnel à l'échelle locale. Prendre en compte l'évolution du contexte institutionnel, politique, économique, social et culturel du pays. Aujourd'hui, nous allons gagner pour nous capables de faire des propositions sous parité ça que nous en la constitution. Pas oublier. La constitution, ce n'est pas seulement parité, nous allons gagner. Les gagner tout ça qui se respecte droits fondamentaux. Moun, c'est pour femmes, parce que vous êtes titulaire de droit. Mais maintenant, de manière spécifique et de manière particulière et de manière stratégique, nous gagnons parité. Tout ça, nous allons gommer, nous allons travailler sous l'île. Nous demandons pour nous travailler, pour nous garder faisabilité parité ça. Parce que nous n'avons jamais de problème d'égalité dans le pays. J'ai l'habitude de le dire, l'homme et la femme, on est des gros. Ancienne constitution en 87, l'article 17 et 18. Constitution amendée en l'article 17 et l'ajouté 17.1. Ça veut dire de droit et de fait. De droit, on est dans l'égalité des sexes, mais de fait, on est encore dans la discrimination. Donc c'est pour ça que nous visons plus haut et puis nous sommes pour nous capables de joindre les secteurs, pour nous capables de joindre possibilités. Sous bois par le ministre Conditions Féminines et Droits Femmes, Marie-Ghislaine Monpremier, souligne la nécessité pour le pays d'Haïti de gagner une nouvelle constitution à cause, selon lui-même, constitution 1987, là, responsable diverses crises pays a fait face. Selon Marie-Ghislaine Monpremier, pour en place la pape réaliser nouvelle constitution dans intérêt personnel li, mais plutôt dans intérêt pays d'Haïti. En occasion, ministre Conditions Féminines et Droits Femmes lan, invite mesdames yo pour impliquer yo dans débat sous avant projet nouvelle constitution à cause yo représente 52% population. Ministre Conditions Féminines et Droits Femmes lan, Marie-Ghislaine Monpremier, tenant micro Jean-Roberto Saint-Fort et Mackenson Registre. Donc deux voix nous, c'est pas fini dans forme dans la allée non. Mais yon relè nou pou nou di moun pa nou. Ki sa nou vle an de konstitusyon pou fòm nou? E sa nou men fè la.
pour les filles, dans tout domaine, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans la question de violence qui a fait souffrir. Nous avons un mot pour nous dire aujourd'hui. Et en parlant des gens qui disent que la Constitution est un petit groupe pour nous faire. Nous-mêmes, je dis, adaptez-moi à dire que ce n'est pas vrai parce que nous sommes dans 10 départements pays. Et là, nous faisons la caille pour le travail avec l'autre monde dans la société pour que nous disions pas de tout. Président Jovenel, comme garant de la bonne marche des institutions de ce pays, tout en 7 février 2022, pas arrivé pour nous remplacer par un autre nouveau président, c'est lui qui a pris une décision dans le pays parce que c'est lui qui est chef de l'État. Si nous n'avons pas voté fort, qui va défendre cause dans la question budget sensible aux gens. Les dames vont accoucher à l'hôpital pour nous jouer une bonne maternité pour nous accoucher. Pour dire que nous avons une bonne santé. Pour dire que nous avons une lettre pour nous boire. Même dans le ministère des Affaires sociales, là, nous avons une bataille. Cette fois-ci, tirer ça, c'est pour le peuple. Il faut que le peuple joue une santé pour lui. Nous bataillons, moi-même, je bataille. Mais mon âge, je bataille. Moi-même, je prends la parole au forum économique qui t'a fait pour que nous disions que nous ne voulons pas les quotas qui sont dans la Constitution de 77.1. Parce que moi, je mets des cosmétiques. Parce que je ne vais pas appliquer. Mais cette fois-ci, si nous n'avons pas été, c'est 50-50 ans. Dans la loi électorale qui va venir, selon le moyen que le pays a gagné, il est capable de définir combien de quotas il y a. Et nous songeons de gagner dans le palais national le 4 le 8 mars dans le palais national. Le président a dit lui-même, lui opte pour place réservée. Sinon, on a dans 4 autres pays, c'est dans la place réservée qui fait médaille, occupé pays pour ça, occupé pouvoir. Et pour avoir le résultat, on a côté médaille, en majorité, il y a un changement qui parle pas de tout pour nous. L'autre jour, le premier ministre a installé comme ministre des Affaires sociales. Il dit si on a un mot qui a gagné, il y a un ministre qui finit, qui a fini. Pour aller dans l'autre bagage pour faire, c'est bon fond là-dedans. L'autre information dans le journal, le directeur général du Conseil national acte non étatique, Edouard Poultre, lance un appel pour la population participer en foule dans la manifestation dimanche 28 février qui vient là pour dire non à la dictature en Haïti. Dans l'occasion, Edouard Poultre dénonce le comportement autorité en place face à le phénomène kidnapping qui chaque jour plus apprend en plein dans le pays. Edouard Poultre dans le micro Radio Télé Éclair. Je vais reconnaître tout. Que la presse a exercé liberté pour couvrir toute qualité d'information qui a fait. Donc, deux signes ça y ont montré que c'est une dictature qui a installé en d'un pays. Manifestation dictature là, c'est question qui n'a rien. Pas gagné où est ils ont parlé de plusieurs centaines de kidnappés. Et de kidnapping qui fait, pas jamais nul monde que la police rive libérer. Ça, c'est un bail catastrophique pour bilan ça que la police gagne dans Béli. Ça veut dire, lui recevoir même instruction pour faire fermer les yeux sur question kidnapping. C'est inacceptable. Et qui ça kidnapping non? Li caché nous-mêmes nous pouvons well et nous aimer que suggérer la presse pour faire des articles sur ça parce que kidnapping n'est pas lié c'est un réseau de criminalité et de ressources criminelles qui n'en met des gangs pour yo capable faire et à faire élection que yo même yo pouvoir lui même les annoncer libre à faire élection, ça veut dire gagner ressources crime qui n'en met et gagner pour aller participer, pour aller faire hold-up sur élection. Nous demandons des citoyens pour aller manifester 28 là, pas oublier choisir quand nous. Chaque citoyen besoin choisir quand
sou et la kayou, sou pas participer nan manch la, ça veut dire ou a appuyer dictature, ou a appuyer kidnapping, ou céder à la peur. Mais nous mandé citoyen yo qui vigilant, nous mandé yo pour yo participer massivement nan manch qui a fait 28 là. Éclair info a continuer pour nous dire Office Protection Citoyen organisé journée vendredi 26 février 2021 dans Pétionville, yon atelier consultation sur rôle ak responsabilité bureau assistance légal yo. Activité ça entre dans cadre coopération entre Office Protection Citoyen OPC ak Onifam dans lutte contre violence basée sur genre ak différentes formes violation droit fi ak femme en Haïti. Dans discours circonstance li protecteur citoyen Renan Edouville fait konnen li espéré atelier ça ap sorti ak proposition ka permet protection femme ak Timounio qui c'est deux catégories qui pile vulnérables dans société ya. Dans occasion protecteur citoyen te profiter exprimer inquiétude li face à évasion qui enregistré a jeudi ya dans prison civile Croix des Bouquets à grève illimitée magistrat haïtien yo lancé. Protecteur citoyen Renan Edouville te dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Jean-Sony Lemay. Au niveau de l'OPC, dans un communiqué que nous avons rendu public hier soir, nous demandons aux autorités policières et judiciaires de prendre toutes les dispositions nécessaires dans le meilleur délai. On a commencé depuis hier soir, mais on doit continuer à prendre des dispositions pour que l'on puisse retourner dans leurs cellules ces individus qui sont dans la nature et qui constituent un danger pour la société, pour les catégories les plus vulnérables. De plus, il faut dire que depuis plus d'une semaine, on enregistre dans la magistrature haïtienne une grève illimitée lancée par des magistrats. Pour renforcer la cohésion sociale, il faut aussi renforcer la question de la justice. Nous avons donc, dans le cadre de ce projet, organisé un premier atelier de brainstorming qui a été réalisé le 28 janvier 2021 dans la ville de Cayes, avec la participation des organisations de la société civile évoluant dans la région. Et ce matin, nous sommes ici, ensemble, pour tenir un deuxième atelier portant justement sur la question de l'assistance légale, sur le rôle et la responsabilité des bureaux d'assistance légale, avec la participation active des organisations de femmes, mais aussi avec le support des autorités évoluant dans le système judiciaire. C'est l'occasion pour nous de renouveler notre solidarité à tous les magistrats qui accordent, dans le cadre de leurs attributions, de leurs fonctions de magistrat, une place prioritaire à la problématique des femmes, le plus souvent victimes de violences. Mes hommages au doyen du tribunal de première instance, Maître Bernard Saint-Ville, qui est une référence dans ce domaine. Nous espérons donc, à l'issue de cet atelier, on pourra quand même venir arriver à des propositions concrètes pouvant faire avancer cette cause noble, à savoir l'accès à la justice, la protection des catégories vulnérables, la protection des femmes et des enfants dans une situation difficile où le système judiciaire traverse une crise pour le moment. Alliance pour gestion risque et continuité activité au AGAK
clôturé journée vendredi 26 février 2021 dans Tiojo, série activités dans cadre lutte contre COVID-19 là dans pays d'Haïti depuis environ une année, dans occasion diverses personnalités qui ont collaboré avec AJAKA dans campagne contre COVID-19 là, tant que économiste Edia Emile est intervenu dans discours circonstance li président AJAKA Gérard Laborde souligné importance travail AJAKA à travers différents départements pays là dans lutte contre propagation COVID-19 là sur territoire national. Là, Gérard Laborde qui fait qu'on est COVID-19 là toujours présent en Haïti, déclaré AJAKA toujours mobilisé pour protéger, pour éviter COVID-19 là propager à travers pays. Président AJAKA Gérard Laborde tenant dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sony Lemay. C'était ce qu'on a de faire, ce qu'on appelle une restitution. C'est-à-dire, il faut savoir que nous étions pratiquement à quelques jours près à une date anniversaire, puisque ça fait quasiment une année que on a commencé à parler de la COVID-19 en Haïti. Donc la AJAKA, comme je l'ai rappelé, a été déjà sur le terrain bien avant même qu'il y ait l'annonce officielle du gouvernement de fermer les frontières. Nous avions déjà commencé à faire de la sensibilisation dans les provinces et à Port-au-Prince, bien sûr. Et donc il était important aujourd'hui, malgré le fait que effectivement il semblerait que la COVID ne frappe pas beaucoup ou beaucoup moins que d'autres pays, Haïti, il était quand même important de faire un point sûr de restitution par rapport à ce que AJAKA avait fait, maintenir toujours quand même une certaine entre guillemets pression, que les gens ne relâchent pas. On ne sait pas ce qui peut se passer encore avec la COVID. La COVID continue à circuler dans le monde. C'est vrai qu'il y a des vaccins qui se développent, bien qu'ils ne soient pas encore arrivés en Haïti. Est-ce qu'on en aura vraiment besoin? Oui, non, on ne sait pas. Mais il y a aussi des variants qui se développent, donc il est important qu'on continue donc d'appliquer les gestes barrières et un minimum de précautions. Nous l'avons présenté, donc nous avons fait des activités sur près de 250 communes dans le pays, et je dirais tout le pays, puisqu'on a été aussi bien dans le sud que dans le nord, l'île de la Tortue, l'Artibonite, Plateau Central, et bien sûr Port-au-Prince. Il faut savoir qu'à Port-au-Prince, nous sommes intervenus dans ce qu'on appellerait souvent des quartiers défavorisés, les quartiers sensibles. Nous avons donc pu intervenir aussi avec le support de la DPC pour aller là vers les gens qui en avaient à ce moment-là le plus besoin, c'est-à-dire faire des distributions de masques, des distributions de Clorox, mais aussi expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire pour se prémunir. On sait très bien que ce n'était pas quelque chose de facile à ce moment-là, et passer les messages. Je pense que ces messages, comme l'a expliqué la représentante du CPDEP, ont été bien reçus. Je ne dis pas que c'est grâce à ça que nous avons pu passer cette crise, mais je suis sûr que, quelque part, nous avons quand même pu contribuer à nous prémunir, je dirais, de l'impact de la COVID-19. Nous avions commencé des opérations sur le terrain avant l'annonce officielle. Donc nous étions déjà sur le terrain en début mars, et je crois que l'annonce officielle a été faite mi-mars, si je ne m'abuse. Bon, les perspectives, pour le moment, effectivement, nous n'avons pas vraiment de campagne de sensibilisation, puisque la sensibilisation a été largement faite. Effectivement, la question a été posée tout à l'heure, nous sommes nous aussi à l'attente de voir ce qui va se passer par rapport à une éventuelle campagne de vaccination. Bon, c'est pour ça que nous sommes toujours en contact assez serré avec le MSPP pour savoir quand est-ce qu'ils seront prêts et comment on va pouvoir contribuer, je dirais, dans au moins l'aspect logistique et sensibilisation là-dessus. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine-là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Chef gang village dédié à Anel Joseph mouri vendredi 26 février 2021 dans la commune Lester, département La Tibonite. Selon porte-parole police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers, chef gang mouri dans l'échange coup de zam avec la police. Comité consultatif indépendant pour élaboration nouvelle constitution organisé journée vendredi 26 février 2021 un forum pour consulter diverses femmes concernant avant projet nouvelle constitution. Dans occasion membre comité consultatif indépendant pour élaboration nouvelle constitution Jean-Emmanuel Eloi ak Mona Jean plaider en faveur droit femmes yo dans nouvelle constitution. Alliance pour gestion risque ak continuité activité yo AJAKA
clôturé journée vendredi 26 février 2021 série activité dans cadre lit contre COVID-19 là dans pays d'Haïti depuis environ une année. Dans occasion président AGAK Gérard Laborde exprimé satisfaction pour travail AGAK dans lit contre COVID-19 là à travers tout département pays. C'est point ça yo ak divers autres qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou t'es accordé ak journal là. Restez branché pour es programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.